Qu'est-ce qui se passe encore? Tu montes. Ta mère a préparé une choucroute. Oh. Non mais ça va pas, je suis un musulman, moi je vais pas casser mon jeûne avec du pain. Bismillah. Bismillah. Elle est bonne votre arrière, madame Sabri. Hein. Mais moi je suis algérien, j'aurais préféré une charba. T'es gentil, mais tu rentres pas à la maison avec ton costume de Shabbat. Maman, c'est pas Shabbat ça, c'est Ramadan, tu comprends vraiment rien. Allez, va voir le daron. Prends ça, oui. Sinon, ça fait quoi pour les vacances? Il faut ouvrir les bagages. Mais qu'est-ce que tu cherches? Un passager clandestin, c'est ça. Mais qui va venir dans ce pays à part nous? Allez, vous sentez? Ça c'est l'Algérie qui se rapproche. Hein. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que je fous là? Je suis chez moi. Comment ça? T'as pas de passeport, t'as pas de billet. Allez, dernier jour du Ramadan. On se fait la bise. Abdel Pachir Isbakr. Tout est mieux ici. Même les sens sont meilleurs. Mais sinon les filles, vous connaissez l'Algérie? Ouais, et toi? Oh, tu parles que je connais Charlie Chazeli, moi. Tu devrais pas faire ça, Jenny, tu vas te faire du mal, hein. Ne vous inquiétez pas, madame Sabri. Il vrai cuir d'arabe. Ça craint pas le soleil. Moi c'est Laber. Et toi? Mostad Abdel Bachir. Abdel Bachir? J'ai jamais entendu ça. Ah bon? Qu'est-ce qu'il est gentil ce Bachir? Mais il existe que dans ta tête, Abdel Bachir. Vous me rappelez bellement dans la même géographie derrière le visage. En plus, Abdel Bachir, c'est un prénom à la con. Vous savez pas que tu faisais la prière? Tu devrais prendre exemple un peu sur Johnny. Lui au moins il respecte. Bah allez-y, adoptez-le. Je vous rappelle que quand il avait 10 ans, il se prenait pour le fils caché d'Elton John. Hein. Il a fallu qu'il apprenne que son père était pédé pour changer d'avis. Déjà, t'es pas robeux. Et puis, malgré les apparences, je suis pas un garçon facile. Il ne vient de pas. Tu vas peut-être trouver l'Algérie! Et mon héros, Johnny Bachir! Ah, j'ai vu des étoiles à une fauteuil dans un salon coiffé de poules d'or. Ta mère, elle est normande, ton père, il est alsacien. À la rigueur, tu peux être un peu allemand, mais tu seras jamais arabe de ta vie. Jamais. Il y en a beaucoup des Français comme ça en France. Non, mais il n'est pas français, lui. Ah, ah là, là.